monte au gâteau. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, je suis rentrée du travail. Il est midi passé, midi 17. Je suis en train de faire à manger. Non, je vous ai pas appelé. Vous pouvez continuer de jouer, les enfants. Il y a un vent de fou comme météo aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez, si. Regardez. La cabane, elle est complètement tombée contre la haie. Il va falloir qu'on la remonte. C'est comme ça. Dès qu'il y a trop de vent, la cabane, elle vole. J'ai les cheveux dans tous les sens. Dès que je me lave les cheveux au boulot et qu'ils sèchent bizarrement là-bas, c'est catastrophique après mes cheveux dans la semaine. Oui? On va pas mettre Vaiana, je suis en train de faire à manger puce. Vaiana, en ce moment, c'est le truc que la puce demande tout le temps. Moi, elle se lève, je suis à la maison, elle me demande Vaiana, tout de suite. Là, je suis rentrée du travail, elle me demande de lui mettre Vaiana. Je sais pas, j'avais pas capté qu'elle avait un engouement aussi énorme pour Vaiana, mais... Si, c'est en train de se développer, elle commence à avoir un truc préféré, quoi. Un peu comme les garçons avec Cars pour Maxence et Dragon pour Amaury. Enfin, c'est peut-être Vaiana. Non, mais je vais pas mettre Vaiana. Elle m'emmène à télécommande. J'ai Chronopost qui vient d'arriver à la maison. Alors, je vous montre comme ça, vous verrez pas mon adresse. J'ai reçu ce colis. Oui, la puce, tu montres avec maman? Je pense savoir ce que c'est et je suis trop contente, c'est pour ça que je l'ouvre avec vous. Tu me fais des câlins? Bon allez, on continue d'ouvrir. En tout cas, c'est super bien emballé, c'est cool. C'est bien ce que je pensais. Alors ça se voit pas au carton, mais j'ai une toute petite étiquette. Oui, je vais vous montrer. Hop. Sur la puce. Alors vous avez compris, on s'est enfin avec Jimmy acheté un Dyson et on a pris le dernier. La puce, je crois que tu gênes là. Voilà, c'est 4. C'est un adaptateur de prise. À mon avis, ils envoient ça à tout le monde en fonction des pays. Non, parce que ce qu'on voit, c'est des prises plutôt. Non, tata, touche pas ça. C'est un adaptateur pour dans d'autres pays. Parce que de ce que je vois, c'est pas nos prises à nous. Donc ça, c'est cool. Et on a pris le dernier sorti. On a pris le V10 Absoluté Cyclone. Oh là là. Attends, moi je suis trop contente, vous imaginez même pas. Regardez-moi ça. Ouh, c'est trop bien. Il est trop beau, il est trop canon. Oh, je vais pouvoir faire... aspirer tranquille. C'est toujours en train de cuire. Alors, dans quel sens ça s'ouvre? Ah, ça s'ouvre dans ce sens-là. Hop. Ici et ici. Waouh! Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu tires pas tout. Oh là 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 là. Voilà, je viens d'ouvrir le carton. Il y a tout, il n'y a plus qu'à tout emballer. De ce qu'on a... Oh oui, la puce, elle est au taquet, elle me sort tout. Il est trop joli. Donc, comme vous voyez, c'est le Dyson Cyclone V10 Absoluté. Oui, la puce, arrête. Il y a tous les accessoires pour aspirer. Il y en a vraiment beaucoup. Je pense que je vous en parlerai plus tard dans la journée. Quand j'aurai tout monté, parce que là, avec cette puce, c'est même pas la peine. Et de ce qu'on pensait, c'est qu'on va bouger la poubelle et on va sûrement l'accrocher ici, à ce mur-là. Ce sera très bien et ça ne gênera pas pour le charger. Parce que on a la prise du frigo et je crois qu'on avait mis une multiprise, donc ce sera parfait pour brancher ici. Bon, on se reprend, il est temps d'aller à l'école, d'emmener les enfants. Oui. Ils sont trop contents, autant que moi, du Dyson qu'on a reçu. C'est trop bien. J'ai regardé un petit peu l'histoire de l'adaptateur. En fait, c'est pas pour d'autres pays. C'est que le Dyson n'a pas une prise française. Donc, on a un adaptateur prise française et prise... ça doit être anglaise ou américaine, je sais pas. Je les connais pas, moi, les prises. Donc, en fait, c'est ça, cet adaptateur qu'il y avait en plus. Oui, la puce. C'est moi qui fais. De toute façon, t'es trop petite. Je reprendrai tout à l'heure pour le montage. Et regarder un peu comment il fonctionne super bien. Bon, puce est couchée. Je revois la partie pour ma semaine de... Regardez, tout ce linge à laver. Oh là là, voilà. Ma semaine de... Oh, je perds mes mots en ce moment, c'est abusé, je trouve. Hop. Voilà.
de ménage, de... Oula, de linge en retard à faire. Je viens de remarquer que papa... Alors attendez, il y a un gros problème. Oui, j'ai vu mon chat. Il courait dans le jardin. Il y a un vent de fou. Hein. Papa n'a pas fait de machine ce week-end pendant que j'étais pas là. Je suis dégoûtée. Je pensais que j'en aurais moins à faire. Mais non. Oh là là, j'en ai plein les mains, c'est abusé. La caisse de la puce, parce que là, je vais faire le linge de la puce. Elle est blindée. J'aurais voulu qu'il fasse une machine. C'est pas possible qu'il porte jamais. En plus, il y a eu un accident dans la voiture sur le siège auto de la puce. Elle a fait pipi, donc j'ai tout de l'assise. Heureusement qu'il y a ça qui a lavé. Bah, la couche a débordé. Franchement, elle était pleine. Hop, je suppose que ce sera mieux. Donc, il faut laver ça, mais ça tombe bien vu que je fais une machine de la puce, je lave tout. Je vais en profiter pour tout nettoyer, passer un petit coup d'aspi. Je testerai avec mon Dyson que je suis trop contente d'avoir reçu. C'est trop bien. Franchement, c'est une bonne nouvelle ça. On est trop content d'avoir pu l'acheter. Ça doit faire des années que JB me dit non, on n'a pas l'argent pour. Et là, il a dit c'est bon, ça fait des années que je repousse. Ça fait des années que je repousse ton envie de l'acheter. Donc cette année, on l'achète. C'est cool. Ah, j'ai tout payé de ma poche. Hein. Tout. Ça coûte cher quand même, hein, ce truc. Vous avez vu? Qu'est-ce que je disais? Les cheveux, regardez, j'en ai partout. Hop. Je pense qu'il va falloir que j'aille chez le coiffeur dans pas longtemps parce que là, c'est plus possible. Je supporte plus mes cheveux. Il y en a trop. C'est. J'en ai marre. Je crois que je vais couper court. Je sais pas. Changer peut-être un peu de couleur, faire des mèches. J'en peux plus en fait. Il faut que je change de tête. Hop, ça c'est bon. Ouh. Et il pleut. Et il vente. C'est un temps de merde tout ça. Pas agréable. Je m'étais dit, il fait beau cette semaine. Peut-être qu'on va... Enfin, il fait beau. J'espère qu'il fera beau vu que je suis à la maison et qu'on va pouvoir faire des trucs. Mais en fait, non. Ils ont prévu une semaine toute pourrie. La loose. Ah, bon allez. Machine lancée, je monte mon Dyson. Donc je viens d'aspirer un petit peu et comme on voit, il y a de la poussière sur mon tapis. À mon avis, ce week-end, il n'a pas fait le tapis. Alors, il fait du bruit. Ah, attendez. Mais, ça va, je trouve. Donc là, il est chargé à 20%, donc il va falloir que je le recharge en entier. Il est en mode max. Là, on est en mode mini. Alors effectivement, il fait moins de bruit, mais je pense qu'il aspire moins. Et là, on est en mode moyen. Et là, en mode à fond. On sent une différence. Hein. L'embout, il est comme ça. Il est vraiment top. C'est vraiment pratique d'utilisation. Il est vraiment bien à ma taille, comme vous voyez. Bon, vous ne voyez pas en entier, mais vous voyez que j'ai pas besoin de me pencher ou quoi que ce soit pour aspirer. C'est vraiment super. Et nous avons plein d'embouts aussi avec. Je vais vous montrer. Alors, ça c'est pour l'accrocher au mur. Je vais regarder comment faire et puis on va s'accrocher au mur. On a bah, dis donc, c'est bien enfermé là-dedans. Hein. Un petit embout comme ça, qui est en ovale, quoi, petit embout. Donc là, c'est l'endroit du clip. Et on a ce genre d'embout aussi. Il faudra que je regarde à quoi ça sert vraiment pour les utiliser comme il faut. Mais c'est super d'avoir plein d'embouts différents selon ce qu'on a besoin de faire. Et je vois qu'il y en a un autre. Et il y a celui-là aussi. Donc celui-là, c'est du plastique, on dira, avec des bandes
genre balai dessus. Donc là, c'est plutôt rêche et là, c'est plutôt léger. Donc voilà. Et celui que j'ai mis, je vais le reprendre. C'est une espèce de mousse dessus. Voilà, vous voyez, ça a aspiré des cheveux. Hop, je vais les mettre à la poubelle tout à l'heure. C'est une mousse dessus. Ça fait un peu genre tapis. Ben, je vais regarder à quoi ça sert. J'avais pas vu que j'en avais autant des embouts, mais c'est super. Comme vous voyez, on a quatre embouts différents. L'accroche au mur. La prise, l'adaptateur pour la prise électrique. Ça, c'est super aussi. J'y avais pas pensé. Je ne savais pas qu'il y avait... c'était pas des prises françaises quoi sur les Dyson. Donc c'est cool. Je vais pouvoir faire mon ménage tranquille, à l'aise. Je pense que celui de base, ça doit être celui-là. Il y a des plus, des moins. Je vais regarder mon papier des explications. Et puis, j'aurai plus qu'à suivre. Et puis... être à l'aise maintenant pour faire mon aspirateur. J'aurais pu... je cherche un aspirateur demain. J'ai plus besoin parce que je peux l'utiliser en petit embout. Normalement. D'ailleurs, j'ai pas trouvé de petit embout. Mais à mon avis, ça se met directement accroché à ce genre de choses. Et plus de fil, en fait. Plus de fil. Plus de filtre, plus rien. Donc, c'est super. Je suis très, très contente de cet achat. Bon, c'est le genre de carton où tu découvres des trucs. Il y a ce petit embout là aussi. Je ne sais pas à quoi il sert. C'est peut-être justement pour la partie main. Et j'ai découvert ça aussi. On va regarder ensemble ce que c'est. C'est sur mesure, hein, les cartons. Celui-là. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Ceux qui ont déjà des Dyson, ils savent ce que c'est. Moi, je vais regarder maintenant et voir à quoi ça sert. D'ailleurs, j'ai pas trouvé de... Je vais regarder quand même tous les cartons parce que depuis tout à l'heure, je découvre des trucs. Ça, c'est carton-là. Ça, c'est pour la tâche. Et tout à l'heure, hop, je vais chercher... J'ai un fascicule qui explique comment ça fonctionne, où il y a la garantie aussi dessus. Et à mon avis, il y a les explicatifs de tous les embouts, à quoi ça sert. Mais tout ce que j'ai regardé tout à l'heure, le peu que j'ai regardé tout à l'heure, c'était en anglais. Donc en fait, j'ai regardé ça ce soir avec JB et on verra bien. Il comprendra plus facilement que moi. Bon, comme je disais, j'ai voulu l'accrocher ici. Alors, je l'ai mis en charge parce qu'ils disent quand même qu'il n'y a que 20% de batterie. Donc... là, avec le voyant bleu, on voit que c'est en train de charger. Et il n'est pas accroché dessus. Parce qu'en fait, ça, c'était bien fixé. Et dès que j'ai mis ça, ça a commencé à venir vers l'avant. Une partie de la vis, ce qui fait que c'est pas vraiment collé contre le mur. Et ça bagne un peu. Donc, je vais voir avec JB comment on fait. Si on change les vis et que c'est leurs vis qui sont pas top. Ou notre mur, j'en sais rien, on verra bien. Mais bon, je suis très contente de cet appareil-là. C'est super. Donc là, il charge et puis on verra plus tard comment on fera pour qu'on puisse s'attacher contre le mur. Maintenant que j'ai fait ma petite session bricolage qui n'a pas très bien fonctionné, je vais me poser tranquille, canapé. Je vais me regarder le dernier épisode de Walking Dead qui est sorti hier. Et ce qui est bien avec OCS, c'est qu'on l'a dès le lendemain en sous-titré. Donc je vais pouvoir regarder ça à la demande. C'est parfait. Il est déjà 4h30. 4h30, non. Sinon, je serai à l'école. Il est 2h30, donc je vais pouvoir me poser tranquille et regarder ça, et peut-être même, c'est quoi que je regardais, JB il aime pas trop, Hippocrate, une série française sur la médecine dans un hôpital français, c'est bizarre, je suis sûre d'avoir, non, j'ai pas appuyé sur le bouton, donc je pense que je vais peut-être me regarder un petit épisode, je découvre des petits trucs là, ah ça doit être les cheveux que j'ai posés de côté tout à l'heure, que j'ai pas acheté. Moi j'ai bien aimé, c'est avec Élise Bourgoin. Je sais plus les noms des autres acteurs, je les connais mais je me souviens plus. Et bah c'est sympathique et c'est le genre de série que je regarde quand je suis toute seule à la maison. Parce que comme JB il aime pas, bah j'en profite l'après-midi comme ça.
je peux regarder ce que je veux. Bon, on vient de rentrer des courses. C'était quelque chose, hein, les courses. Bon, ce qui est bien, le seul truc bien, c'est que le lundi, il n'y a personne dans le magasin. Donc, c'est pratique. J'ai tout ça à ranger. D'ailleurs, j'ai pas pensé, mais il faut que je les scanne avec ma HopScan. Hop, attendez. Je nettoie un peu parce que j'avais l'impression qu'il y avait... Hop, nickel. Il y avait quelque chose de... sur l'écran. Amaury, tu descends? JB devait rentrer tard, puis finalement il est parti du boulot, donc c'est parfait. On va l'attendre pour manger. Surtout, en fait, non. Enfin, si, on va l'attendre, mais je vais ranger ça. Et juste après, je vais me mettre à faire à manger. Et donc, je vais pouvoir lui parler de ça, là, la croche du Dyson, parce que ça tient pas bien sur le mur, c'est bizarre. Donc, il va regarder, puis... on verra bien ce qu'on aura à faire, quoi. Donc, allez. Faut que j'y m'y attelle maintenant, parce qu'il est déjà 8h15 et j'ai plein de choses à faire. D'habitude, on mange dans un quart d'heure. Partout. Ah oui, ça fait... Qu'est-ce qui vient de se passer à l'instant? Il y a eu un éclair là-bas et ça fait... On a une micro-coupure. Tout s'est éteint d'un coup, la télé, la lumière, vraiment une seconde. Et d'un coup, le bruit de dingue d'un orage qui se passe pas très loin de la maison. Mais oui, on voit pas. On voit pas. En plus, il fait nuit. Mais je venais de me... J'étais en train de dire en plus aux enfants... Oh, c'est la pluie qui fait beaucoup de bruit. Il pleut vachement beaucoup, quoi. Et en fait, il y a un super orage qui est pas loin. Ce soir, c'est poulet purée de courgettes. Bon, les enfants sont pris par la télé. Moi, j'ai fait aussi du poulet, mais je me suis fait griller les courgettes. Et la petite puce, c'est plein de purée de courgettes. Oui, c'est bon. C'est très chaud, hein. On souffle. Oui, c'est bien, ma puce. Oui, elle adore le robot qui danse là. Qui fait de la musique, elle, fait... elle adore. Ouais. Encore. Oh. Encore, c'est ça. Attention, c'est pas grave, continue de danser, c'est pas grave, Andrea. Andrea, c'est pas grave. Et voilà, et on relance, et ça tourne en boucle. Andrea, c'est pas grave, amuse-toi. Parce qu'après, c'est dodo. Bravo! Allez, non, c'est fini maintenant, ma puce. Sinon, ça ne sera jamais terminé, là. Je vous reprends, on a tous mangé, on a bien mangé d'ailleurs, la purée, les courgettes, le poulet, tout ça, c'était très bien, tout le monde a très bien mangé. Là, il est 20h40, tout le monde est au lit, les enfants. JB vient de partir au boulot, il n'avait pas le choix, fallait qu'il y retourne, donc en fait, il est juste rentré manger. Et... il rentrera plus tard dans la soirée, voilà, super. Moi, je rentre du travail, on ne s'est pas vu du week-end et... il revient juste manger et puis il repart au boulot. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui fait que moi, j'en profite. Je vais me regarder un épisode d'Hippocrate. C'était sympa de reprendre alors que ça faisait un bout de temps que j'avais pas regardé. C'est mon Charlie qui me lâche pas depuis qu'il est rentré et qu'il a vu que j'étais là. Il est collé à maman.
hein, ce chat. Je leur manque aussi. Hein. Quand je rentre de week-end, c'est toujours comme ça. Des gros câlins de ces gros chats. Hein. Ouais, non. Charlie, il n'est pas si gros que ça. Hein. C'est Moumoute la plus grosse. Quoique peureux, il fait concurrence. Hein. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. Comme ça, après, je vais être tranquille. Je vais attendre qu'il rentre et puis qu'on passe une petite soirée tranquille. Le Dyson, je suis super contente. Je suis trop heureuse de l'avoir. Il marche trop bien. Enfin, ça change la vie, ça va être super. JB m'a dit qu'en fait, les pièces qu'on nous avait données, là, les chevilles et les vis, elles ne sont pas faites pour notre mur. Donc, il va tout changer. Il va remettre avec ce qu'il faut. Il fera ça demain. Donc, c'est pour ça que ça baillait un peu et que la vis revenait un petit peu à partir du moment que je mettais du poids dessus. Donc, il va faire comme il faut demain. Et puis, demain, on pourra l'accrocher nickel. Donc là, il est chargé. C'est parfait. Il l'a testé, hein. Il est arrivé, il l'a pris, hein. Il a dit oh là là là, c'est trop bien, il est trop content aussi. Donc voilà, on est content de notre investissement là devant Dyson depuis le temps qu'on voulait. Maintenant c'est chose faite. Donc je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain dans un nouveau vlog. Et si celui-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je dis bienvenue aux nouveaux parce que dernièrement il y en a plein qui sont abonnés. Alors des gros bisous à vous et je vous dis à demain. Bye bye.